Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Poste mise à jour. Poste saloperie de mise à jour. Qu'on a réussi à plus ou moins. Donc, je pense qu'on là, on est tiré du plus dur des affaires. On a encore pas mal de constructions à faire, hein, attention. On a l'église en pierre là qui est bien avancée. Là-bas, on va en voir la décoration pour l'église rustique. Ici, on a encore des décos. Ici, on a encore des décos. Mais ça a l'air d'être plus ou moins stabilisé. Bon, il y a une, ouais, y a une ville endettée, je suppose. Pas d'où est-ce qu'ils sortent ça. Mais c'est pas très grave. Là, notre église en pierre est en train de se faire. Ah oui, je crois que j'avais envoyé mon bailli en mandat. Pour avoir suffisamment d'influence pour débloquer le travail du verre. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Regardez-moi ça, il est bientôt terminé là. Ouais, mis à part le verre quoi. Ah, il manque une porte. Il manque la porte et le vitrail. Un petit problème de porte, excusez-nous. Excusez-nous du peu, monsieur, madame. Nous avons un petit problème de porte. Alors, comment sont ces fontaines et ces bancs? Hein? Sont douillés? Non? Tu m'étonnes en même temps en pierre. Hein. T'as pas faire du bien, on fait ça. Il y a du monde pour s'y asseoir dessus quand même. Hein. Ok. Wow. Il commence à me. Me casser le bonbon? Pour parler poliment, bien évidemment. Voyons. Et les monastères, je sais toujours pas ce qu'on fout là dans le monastère, je sais pas ce qu'il y a. Hop, tiens. Voilà, autant de moines que de nonnes. C'est vrai qu'il faudrait que j'agrandisse et que je fasse je crois ça j'ai. Ouais, les hospices là, ils en demandent un nombre réfectoire. Endroit où les moines et les nonnes peuvent consommer. Consommer ce qu'il leur faut pour leur santé. Oui, non, mais oui, je suis pas contre, mais je le fous. Mais de vrai, je le fous. J'ai plus de place. Ah si, tu sais quoi, passage modeste là, les deux, hop, putain. Oh, bah faites deux réfectoires différents, hein. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là? Clocher, clocher, gna, gna, gna. Ok. Allez, un autre réfectoire. Alors, on va leur faire deux réfectoires. Ils vont être contents. Ah oui! Oui, mais attendez, je n'aurais pas fait de puits. Si, je crois que je leur ai fait un puits derrière exprès. Voilà, regardez-moi ce puits, il est magnifique. Magnifique ou il est pas magnifique? Il est magnifique. Mais il est magnifique. Bon, et ça, là, je peux retirer. Ah non, pas lui. Ah ouais, mais non, c'est vrai qu'ils sont censés planter, sauf qu'ils mettent 20 ans à planter. C'est feignant. C'est grand feignant, comme on dit dans le jargon. Voyons. Ok, il n'y a plus que ça à couper en bois, on est bien après.
Que ce sera coupé, là, je mettrai un bois. Je ferai un bois. Alors, qu'est-ce que tu veux? Célébrer le tiers d'État, l'aîné voudrait que tu accueilles une foire régionale. C'est l'occasion d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales en célébrant le fruit du dur labeur. Assure-toi que l'ambiance reste bonne et ton peuple fera le reste. De plaisir. On a combien là? 1034. C'est pas terrible. J'ai connu mieux. Voyons voir. Ça coûte. Ça coûte 1060. Allez, partons sur celui-là. Parce qu'au bout d'un moment, faut quand même se mettre au travail. Hein. Mais. Ah, il y en a qui travaillent pourtant, mais je sais juste pas ce qu'ils font. Hein. Voyons. Aucun projet. Peut-être lui alors. Ok. Ah putain, le projet il est là. Ah c'est con ça. Ah merde. Ah c'est con ça. Bon. Bah c'était pas prévu. C'était même pas prévu du tout. Voyons. Toi, tu. Oh merde! Ah oh, merde! C'était encore pas prévu, ça non plus! Pas vrai, ça. Merde. Lui, c'est bon. Oui, bon. Roturier. Hop, toi, tu passes au rang de roturier, de citoyen même. Félicitations. Et tu vas travailler ici. Hein. Après, je pourrais développer petit à petit les bâtiments. Parce que là, un sacré manoir quand même. Hein. Sacré, sacré manoir. Pénurie de nourriture. Mais quoi encore? Où ça? Où ça? Mais il y en a à côté, il y en a à côté, là, il y en a au marché, là, en plus. J'en ai exprès fait au marché ici, voilà. Tiens, ça, putain, allez, ça part. T'as toute la bouffe que tu. Attends, quoi? Mais pourquoi il y a pas. Mais il manque un truc ici. Ah oui, voilà. Un peu déçu là. J'avoue que là je suis un peu déçu là. En dehors du. Sérieux? Obligé d'acheter un terrain pour ça quoi. C'est terrible ça. Je vais acheter un terrain pour pouvoir mettre la tente. Ah, maman! Oups, pardon. Allez, hop. Ça avance. Ça avance. Indéniablement, ça avance. Ça m'a consommé de la gemme, hein, quand même, mine de rien. Bien joué, les soldats. Oh, deux lances! Ah oui, bien joué. Tiens, hop. Et hop. Allez, on les envoie. Allez, à toi, mon ami. Voilà. Soyez les bienvenus.
qu'il y a ça aussi, mais bon, on n'a pas assez de gemmes. On crée pas assez de gemmes et les acheter serait particulièrement cher pour faire des bijoux. Ben voilà. Là, les maisons, elles vont aimer, hein? C'est terrible, putain. Une fontaine là, juste là, perdue. Je sais pas trop pourquoi. Voyons voir. Gisement d'arbres. J'hésite à... J'hésite à refaire un manoir ici, là, plus dans le coin, genre là-bas. Pour la récolte des impôts. Parce que là, regardez, hein, là c'est toujours pareil. Aucun impôt récolté, aucun impôt récolté. Il n'arrive pas jusqu'à là, ou alors rarement. Il y arrive un peu, mais il va pas jusqu'au bout. Et je vais refaire un... Je vais re devoir refaire un petit manoir pour récolter les impôts. Ah ouais, désolé les mecs, hein, on va récolter vos impôts ici, là. Depuis le temps. Un bureau des impôts ici. Terrasse. Elle est belle. Ah, c'est... Ah oui. C'est pas le même prix et c'est pas le même entretien. Hein. Bon allez. Et vu que les bureaux, vu que les impôts ça rapporte. Faut pas déconner, on va faire un effort. Hop là. Bon, bien évidemment. Me dire, ah, j'ai pas de porte. Ils ont rien à foutre. Il y a même pas besoin de porte. C'est quoi la blague? Ok. On va faire des fontaines murales quand même, on va faire ça bien, faut pas non plus abuser quoi. Est-ce que je peux en mettre. Est-ce que je peux genre blinder de fontaines murales? Oui. Ah mais franchement, c'est la ville où il y a le plus d'eau. Hein. Vous avez besoin d'eau les mecs là, il n'y a pas de problème. Hein. On a de l'eau à gogo. Hein. Ah ouais tiens, est-ce que je peux mettre des bannières, des... Oula, non, des petites bannières. Non, des bannières par terre. Non plus. Non, bon bah non, on va faire ça. Hein. En attendant de l'évêque requis, acheter du pain, des herbes et des baies. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui. Nous allons aider nos frères et nos sœurs. Livré, voilà. Oh. Bon, j'ai intérêt à bien m'entendre avec le clergé, moi, maintenant. Faut pas déconner, j'ai du verre à faire. Voilà, travail du verre. Hop là, un petit atelier de vitrail juste là. Ça va être qu'il faut un citoyen, ouais. Bah, je suppose. Une bonne question. Il faut qui? Faudra que je regarde. Quel rang il faut pour... non, c'est pas ça que je voulais. Y a-t-il des gens envoyés en mission? Ah non, personne. Personne de chez personne. Que veux-tu, très cher? Du blé? Non, j'ai pas ce qu'il faut. Ça devrait être vite fait quand même là, pour le coup.
C'est pas très loin du. J'ai envie de dire. Le bâtiment à construire n'est pas très loin de l'atelier de construction. Hein. Là. Niveau distance, ça devrait aller. Hein. Là, il faut un citoyen plus. Eh ben, on va en promouvoir un citoyen plus. Voilà, faire un joli vitrail. Aucun projet, mais si, t'inquiète, t'as un projet. Alors. Pendant que j'y pense, parce que ça va consommer le verre. Et vu que ça va consommer le verre, là on va mettre ça. Voilà. Non, parce que je le vois venir, le coup du ah ouais, on a pris tout le verre, et puis hein? On prend toutes les thunes qu'il y a pour faire le. Pour acheter du verre. Alors qu'on n'a pas besoin. Non, mais j'y ai pensé. Hein. Peut-être qu'ils vont vouloir se mettre au travail. Ouais, c'est pas grand-chose. Après, une influence noblesse. Oh, si, parce que vu comment on s'entend magnifiquement bien avec, avec la noblesse. Comment dire? À chaque fois que vous commercez avec un village, vous obtenez une influence. Oh, c'est bien ça. Ah oui, mais enfin, c'est pas gratuit, mais c'est un truc à mettre en place. Donc, non, c'est pas ouf. Faudrait que je fasse le tri en vrai. Que je retire tous les édits, les machins et que je fasse un petit tri. Ça, je pourrais le retirer de cet édit-là, par exemple. Je suis sûr qu'il y a mieux. J'espère. En fait, je suis pas sûr qu'il y a mieux. Mais j'espère qu'il y a mieux. Parce que c'est pas ouf, quoi. Allez, j'ai besoin de 875, s'il vous plaît. Allez, mec, allez, allez. Allez. Sniff. Commercez donc. Faites du commerce, payez vos impôts. Ouais, c'est presque bon, allez, c'est presque ça, les gars. Il manque pas grand-chose. Allez, allez. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Oh non, on est passé à 7. Ah, j'y croive. Comme dit l'autre, j'y croive. Du verbe croiver. Vous me cassez les bonbons avec votre hospice. Ah, comment? Je l'ai déjà dit? Ah ouais, c'est possible. Beaucoup? Ouais, c'est possible aussi. Oh, allez, j'étais à 7 et je suis à moins de 100 là. Oh là là, 107. Oh là là. Bon, j'ai des marchands qui arrivent avec un peu de chance, je devrais me faire un peu de blé. Enfin, de blé, d'argent plutôt, parce que du blé, j'en ai pas besoin. Une maison est en cours d'amélioration. Ouais, où ça? Yes. Mais j'ai rien fait. Oh putain, j'ai une église ici. Ah ouais? T'as pas l'air d'accueillir grand monde, en vrai. T'as que combien toi? 0. 2. Mais ils vont où à l'église? Ils vont tous là? 1. Mais attends, mais c'est quoi? Mais ils y vont pas tous? J'ai fait 50 000 églises pour rien? Je suis dégoûté. Ah oui, non, il y a une construction là-bas. Attends, j'ai 3 églises, j'ai 2 de fréquentation pour un village complet là. Enfin, un petit morceau de village, je sais pas où, quoi. C'est clairement pas fameux. Ah! J'ai même réussi le succès.
Yes. Bon, ça, je vais pouvoir le retirer. Faut pas déconner. Hop, putain. C'est bon, j'ai réussi à le construire, le manoir. Accueillir les moines errants. Oh, vous me commencez à me casser. Oui, le monastère, il y a ce qu'il faut, là, pour le coup. Regardez, il y a tout ça en monastère. Hein. Monastère, vous avez de la place, là. Réfectoire. Ah bah, bouffez, hein. Prenez de la bouffe, les gars. Poisson, fromage, pain. Un repas monastique, il n'y a aucun problème. Ah tiens, oui, je peux faire un deuxième frère. Ou une deuxième sœur. Voilà, tiens, tu sais quoi? Apprenti, j'ai pas une apprentie. Non. Pas de chance. Je voulais un frère et une sœur, hein, histoire d'équilibrer, mais bon. Impossible de satisfaire, impossible de rester à hospice. Vous me cassez les. Et le cloître, il sert à quoi? Lieu permettant aux occupants du monastère de méditer sur leur vie et ce qu'ils souhaiteraient manger pour le dîner. Yes. Voyons voir. On va faire des. Il commence à me saouler avec leur hospice là de. Je vais prendre un truc là qui prend énormément de. 12. Petit hall modeste. Hall modeste, grand. Voilà. Voilà, je vous en rajoute 30 de la place là. Voilà. Y a un problème? Ah ouais, des gargouilles, tiens, ça va changer des croix. C'est vrai que j'avais pas fait de croix là sur le reste. Oh, c'est con ça. Un vitrail. Non, on s'en fout. Et voilà. Là, il devrait plus m'embêter une fois que ça va être fait ça. Oh, là, c'est bientôt terminé, regardez. Il a bientôt terminé son vitrail, lui. Oh, c'est joli. C'est coloré, dis donc. Voici peut-être un petit surplus de baies. Bien, ça va, soyez contents les mecs. 25% de bonheur. Ouais, c'est bien. Ouais. Allez, finis ton mirail. Ton mirail. Ton mirail. Tu vas adorer ce muret en plus. Mère et enfant. Église construite. Yes. Regardez-moi ce muret. Oh, il est magnifique. Oh, ils sont mignons. C'est moi où il montait. Wesh. C'est quoi ce geste de la main? C'est chelou, non? Oh, ils sont mignons en vrai. Elle est un peu floue. Voilà. Magnifique, n'est-il pas? Non, ouais, classe. Écoutez, moi, j'aurais un truc comme ça chez moi, je serais content. Bon, pas forcément dans le même thème, mais un vitrail comme ça chez moi. Ouais, c'est stylé, hein. Réfectoire construit. Yes. Attends, est-ce que les deux ils ont bien. Oui. Consommer chaque semaine. Impeccable.
Alors, signer un nouveau villageois. Donc, pour signer un nouveau villageois, il faut déjà en trouver un qui ne fasse rien. C'est pas un problème. On le promeut roturier et on embauche. Voilà. Allez, mon roturier, va prélever la taxe. C'est toi là? Non, tu es un bâtisseur. Hein. Dis-moi. Si tu avais laissé un petit peu de temps, on aurait très vite vu. Alors. Par contre, tu es un bâtisseur pas ouf parce que tu as commencé par les fontaines. Comment tu finiras? Ok, deux bâtisseurs là qui font leur travail là, c'est très bien les gars. Voilà, vous avez tout compris là. Bon, vous tapez pas dans le bon sens, mais on vous en voudra pas, les travaux ils avancent. Donc je sais pas trop comment ils font, parce qu'ils donnent des coups en arrière et ça fonctionne. Allez, ça c'est bientôt terminé. Alors, encore quelques coups de marteau là et hop. Et là c'est pour 2000. Ah oui. Bon, sinon t'es où toi? Ah ouais, t'es loin. Ah oui, t'habites bien loin toi. Son petit. Eh, tu vas voir, tu vas récolter les impôts, c'est bien. Un bâtisseur, Salem. Grâce à l'amour, l'attention et beaucoup de patience, vous êtes parvenu à transformer cette région sauvage en un village prospère. Débordant de vie. J'ai perdu mon... Où j'en étais. Le peuple se souviendra de votre nom les générations à venir. Oh, nice. Et du coup, achevé. Atteignez un rang de 50 auprès de chaque ordre du royaume. Ah bah super. Construire l'église abbatiale du monastère. Et promouvoir de villageois au statut suivant. Ah d'accord, ouais, ce sont des succès quoi. Pas très attendant. Et j'ai l'impression que tu travailles bien toi. Oh, j'ai l'impression que tu rapportes beaucoup de thunes là d'un coup. Non? J'ai l'impression que tu. Ça fait pas deux fois. Mais tu as. Il est parti récolter des thunes à l'église? Ah non, non, il est en pause. Ah ouais. J'ai cru qu'il était allé récolter la dîme de l'église, genre sans aucun scrupule. Alors que j'ai même pas mis de dîme. Oh, purée. Sinon, tu veux pas habiter, genre, plus près de chez toi plutôt qu'habiter. Mais qu'est-ce que tu vas foutre? Donc, tu es en pause. Qu'est-ce que tu vas foutre aussi loin en pause? Hein? Qu'est-ce que tu bouines? Parler poliment avec un autre mot qui commence par B. Qu'est-ce que tu bouines? Rien. Allez, fun ta vie. Hein. Engelhir. Je ne sais pas ton nom. Angèle heureux. Angèle heureux. Oh merde, ça marche. Angèle heureux, bah tu fais des choses bizarres. Voilà, permets-moi de te le dire. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie tant que tu m'embêtes pas, mais ouais, c'est. Bon, disons qu'on fait, tu fais dans l'originalité, quoi. Oh, du vin. Déjà une grande salle, mais surtout du vin, les mecs. Alors du vin après. Là, y a rien. Et là, on verra plus tard. Ça fait quoi ça? Statue mouton, statue. Statue de mouton? J'ai rien vu. Allez, préparons les troupes pour les envoyer un peu partout. Hop, élevé. Non, très élevé. Merci. Hop, chasser les vermines. Escorter monastique. Et ça, je peux pas avoir assez. Non. C'est bien, tu es au travail. Hein. J'étais à plus de 500 là. J'ai passé où ma thune? Qui a piqué l'argent du village? Eh ouais, mais il demande du charbon aussi et c'est facile d'avoir du charbon, mais
Mais voilà, bon bah je vais faire un deuxième stockage de charbon ici, hein, pas un autre. Voilà, on va stocker du charbon, parce que là je dois en avoir, ouais c'est ça, j'en ai la balle de... Ah voilà, un peu d'or, c'est bien. La suite de la... Oh la vache! Ah bah les soldats, ils ont bien gagné leur croûte, hein. Du coup. Oh putain, oh, il y en a deux qui sont rentrés avec... Avec autant de thunes les uns les autres. Eh bah tu sais quoi? Construire. Bim! Voilà! Les moines errants satisfaits en plus. Olé. Ça rentre de l'argent, c'est parfait tout ça. Hop, tac, tac. Tac, allez, envoyez-les. Envoyez-les tous. Hop, allez. On va laisser les blessés quand même se remettre tranquillement, faut pas déconner. Sinon, j'ai du charbon à stocker ici, y a personne qui veut. Alors, je vois bien que j'ai 2 mois pour faire ce qu'il faut, mais bon, faut pas. Attends, maintenant, il a fait sa maison entre les deux entrepôts. Bon, tu me diras, vu que les entrepôts, ça donne plus de malus, je comprends. Mais quand même, c'est pas mal. C'est original, quoi. Comment ça, pas de bière? Comment ça, il n'y a pas de bière? Ah, j'ai pas de tavernier. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de bière. J'ai plus de tavernier. Hein. Terrible. Allez, hop, ça, c'est fait. Capacité commerciale plus 75 par élément. Les vaches. Oh, les moines. Oh, bah oui, c'est la délégation de moines là qui se barre. Écoute, j'espère que votre séjour a été bon. Auquel cas, j'en ai rien à foutre. J'ai rien dit. Moi. Ah, tiens, d'ailleurs, j'étais pas en train de couper du bois, genre par là-bas. Hey, il est bientôt coupé. Il reste pas grand-chose. Un peu de ça là. Tiens, la zone résidentielle, elle va grandir vite. Iiii, un peu moins quand même, faut pas déconner. Non! Il y a encore ça à construire ici, il y en a encore un autre là-bas, je crois, une autre partie, non? Ouais. Et là, ça avance plutôt pas du tout, hein. Ah ouais, d'accord, c'est que des... Ce sont que des... Des statues. D'accord, c'est pour ça que c'est assez long. Sinon, tu récoltes bien, toi, tes taxes là? Que dalle, mais. Attends, attends, il est déménagé. T'es où? Il est dans sa piole, c'est bien. On va imposer là. Ah ouais, non, mais il est pas. Il récolte pas des masses à la fois, c'est ça? Hop, c'est bien récolte. Bien, continue comme ça, récolte avant. Voilà, si tu m'avais dit j'ai récolté un, pas ouf. Lui? Non? Lui? C'est bien, continue comme ça, tu récoltes bien là! Continue comme ça, je suis fier de toi mon gamin! Moi je construis ça aussi. Oh là, il y a deux quêtes. Que me veux-tu?
Avec 300, 300 de tissus, j'en ai... J'en ai 100, vous déconnez. Allez, on va laisser... On va terminer l'épisode là-dessus pour aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Ça va, ça va. On est rentré dans nos cordes pour tout ce qui est... Le pécule. Il reste encore les décorations de deux églises à lancer. Ça va faire encore un bon 4000 pièces d'or, hein, tout ça. Et une fois que ce sera fait, on pourra passer au développement slash... plutôt rééquilibrage des ressources du village, parce qu'il va falloir réembaucher quelques petites personnes. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, c'était Tiob. Ciao.